Cheers. Allô tout le monde, fait que dans le fond, aujourd'hui comme vidéo, j'ai décidé de faire une vidéo assez, comment je pourrais dire, originale. Fait que aujourd'hui, je reviens de l'école, puis là j'étais genre, j'ai faim, fait qu'est-ce que je fais? Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de faire une recette de cuisine comme à la Ricardo. Oui, je me suis dit ça pourrait être le fun que ça soit la première fois que je le fais. Ok, aujourd'hui, on va faire une affaire qui est bien à mode depuis des siècles. Fait que je suis un peu en retard dans le trend, mais bon. Aujourd'hui, on va faire un mug cake. Donc, attends, il faudrait peut-être que j'aie les instructions. Il n'y a pas des instructions, fait qu'on va se débrouiller. Que vous allez avoir de besoin dans votre petit sachet de mug cake, vous allez avoir ça. Puis finalement, il y a le mug cake, le gâteau. Empty mix into microwave safe. 12 All's mug. Ok, je vais chercher un mug. La fameuse sauce Mickey, on va la réutiliser aujourd'hui. Donc, on va ouvrir le sachet. Voyons. Ok, sur le sachet, il est écrit de pas manger à la pâte à gâteau. Fait que, avertissement à ceux qui mangent à la pâte à gâteau comme moi, mangez-la pas. Y'a pas de raison pourquoi, mais si j'étais vous, je le ferais pas. Voyons, prends ton temps. Prends ton temps. Écoute. Voyons, Cristal. Ok, après ça, on va ajouter 3 cuillères à soupe d'eau ou de lait. Puis remuer jusqu'à temps que ça soit homogénité. Homo quelque chose. On va mettre de l'eau parce que ben j'ai plus de lait. On va faire 3 cuillères à soupe d'eau. Unos et epata. Dos entroi. Ok, maintenant on va remuer le tout. Quand il y a de la poudre pognée dans le fond. On dirait que je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Okay, soit que je vais vous parler pendant des heures et des heures, ou je vais me concentrer à faire mon mug cake puis je vous parlerai pas. Il faudrait que je m'habitue. Un jour, je vais réussir, mais pour le moment, je suis vraiment nulle. Comme le monde, il cuisine puis il parle de plein de trucs en même temps, puis je suis comme, ben moi, je suis pas capable. Après vous avoir confié ma vie sur le fait que, ben, que je sais pas parler en même temps puis faire deux choses en même temps, je pense bien que la pâte est homogène. Je pense que j'en ai plus dans mes doigts que dans mon mug, mais c'est pas grave, écoute, on va faire avec. Puis faut surtout pas que j'en mange, sinon je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais il t'écrit pas la manger, fait que on va pas la manger, mais en tout cas, c'est fini. Ben ça, j'allais le mettre dans ma bouche, mais finalement, je vais pas le faire. Voici le résultat de mon fond mug. On dirait qu'il y a sweet fuck all dans le mug, mais c'est homogène, puis il y en a pas partout ses bords, pas partout. Donc, si je regarde bien la troisième étape... Ah, c'est tout? C'est tout. Ah, ben là, un jeu d'enfant. Ah, oh, c'est incroyable, j'en ai quand même de besoin de papier. Donc, on va porter ce mug dans le micro-ondes. Ok. J'ai les doigts pleins de gomme. Ok, en ce moment, okay, vous savez pas à quel point ça sent le.
Ça sent comme si t'avais brûlé des œufs pendant une demi-heure dans un four micro-ondes. Je vous dis, ça pue. Ok, ça sent vraiment pas bon. Ow. Est-ce que vous pensez que c'est prêt ou je vais m'intoxiquer? Écoute, juste pour pas pogner une maladie mourante, on va le remettre 10 secondes, ok? Peut-être fin. Allô, Jacob? Oui, je suis en train de faire un mock cake, ok, pour une vidéo, ok? Puis tu penses-tu que je vais le réussir ou non? Ouais? Ouais, ça. Ok. Donc, pour pas perdre ma main, écoute, parce que la vie fait que je veux pas perdre ma main, je vais prendre mon petit gant Minnie Mouse. Écoute, on est dans le thème, Mickey Mouse c'est la danse, puis Minnie Mouse c'est le gant. Écoute, on capote, ok? Voyons. Rien. Cristal. Merci. Ah, bâtard, c'est chaud. Et... on va ouvrir ce sachet-là, mais j'en veux pas, je trouve ça dégueulasse. Mais pour l'expérience de la recette, on va mettre le petit glaçage. Voyons, Seigneur. Pendant tout ce temps-là, j'avais mes ciseaux, mais moi, sans la mode, j'ai décidé que ça marchait pas de même. Hey, tu sais, la dernière fois que j'ai fait une affaire de recette sur ma chaîne, c'était ma première vidéo, c'est quand même très comique. Je vais faire, tu sais là, quand on était jeunes, les genres de S, là, qu'on faisait partout sur nos fêtes, puis que c'était envahissant, là. Ouais, c'est ça, mon frère. 24 hours later. Donc, voici ma création. Est-ce que, allô, focus, je sais que c'est vraiment laid, mais au moins, pourrais-tu focuser pour que ça aille du bon sens, au moins que je cherche filmer? Tu sais, les genres de S qu'on faisait quand on était jeunes, là, un peu partout dans nos cahiers, puis qu'on n'avait pas de vie à faire, là. Ben, c'est ça que j'ai essayé de faire. Fait que, c'est ça. C'est magnifique. J'ai rien d'autre à dire. Donc, c'est le moment décisif. Je vais enfin goûter à mon mug avec mon petit lait au chocolat. Ah. C'est presque pas sec. Voyons, c'est bien de la misère. Cheers. Ouais. Pis tu penses-tu que je vais le réussir ou non? Oui. Ouais? Ouais, ça. Ok. Miam! On dirait que je mange le désert du Sahara. Oh mon dieu! C'est comme... Ben écoute, je dis pas que le gâteau est pas bon en tant que tel, c'est juste moi qui est vraiment nul à chier. J'ai comme, je sais pas comment j'ai fait pour foirer un gâteau aussi simple qui je vous rappelle a deux étapes. Deux. Mais ça a l'air que je suis nulle en cuisine. Si ça vous tente que je vous fasse d'autres petits segments comme ça, ben faites-moi un thumbs up puis dites-moi là dans les commentaires quelle autre bouffe aimeriez-vous que je fasse. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut! Oh sacrément, j'ai tombé pour vrai! Peace.